Et bonjour à tous. Voilà, donc. J'ai même pas encore lancé le jeu, je suis. Voilà. Mauvais streamer. Méchant. Mais bon, en même temps. Ouais, j'ai déplacé le jeu. Par l'option d'Origins, hein, donc normalement c'est pas. D'Origins, plutôt pas Origins. Donc normalement. C'est pas censé foutre la merde, parce que je manquais vraiment d'espace sur mon disque C. Donc du coup, j'ai voulu déplacer sur le D, et quand j'ai voulu lancer le jeu, il est où les Sims? Donc bon. J'ai lancé une réparation, après ça s'est bien passé, mais bon. Ça fait chier, quoi, sur le coup. Et puis tant que j'y suis... parce que bon, quand même, j'ai eu la nouvelle aujourd'hui. Merci quand même Death Yuya qui a follow à 1h du matin en fait, donc c'est-à-dire hors live. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de le remercier, donc je le remercie maintenant, même si bon, bah, je le vois pas là, je ne pense pas qu'il soit là. Mais bon. Donc. Nous sommes là, putain c'est vrai que j'ai toute une famille de chiens moi. Oliver, Précieuse, Rosie, ok. Donc, il va falloir déjà faire un bilan de où est-ce qu'on en est dans notre vie. D'ailleurs, moi je joue beaucoup avec le clavier quand même, donc voilà. Ouais. Putain, faut que je réapprenne les touches. Y, J. Ouais, bon, enfin. Ça va surtout être pour la gestion de l'écoulement du temps, vous savez, traité. Donc. Signologie. Trait de caractère. D'accord, mais mon âge, il est où? Ah, il est là. Là, je suis adulte. Et il me reste 21 jours avant de passer vieille personne. Sachant que de. L'objectif de Savina dans la vie, c'est d'arriver au terme de la carrière dans les affaires, qui est juste ici. Et on en est où? On est cadre supérieur et ça, il s'agit du niveau 6. Ok, et par contre, on vient juste d'y passer, quoi. En gros. Parce que là, on en est encore à la moyenne, performance moyenne. Atteindre le niveau 4 de la compétence logique. Ça me fait chier de devoir acheter des échecs rien que pour augmenter la compétence logique. Mais... C'est quoi ça? Contempler plein de jacinthe. Non. Où est Oliver? Ah, il est là. Normalement, en ayant des conversations profondes avec son animal, c'est pas une blague. Bientôt la vieillesse, c'est ça. Bah, 21 jours. Dans 21 jours, elle devient vieille. On est quel jour? Je vois mal. On est mardi ou mercredi? On est mercredi. J'en connais une qui n'avait pas eu cette chance dans les Sims 2 de connaître la vieillesse. Tu l'as fait mourir avant, c'est ça? Alors, dressage. Non. Amical. Discussion intellectuelle, voilà. On va commencer par une discussion intellectuelle avec Oliver. Et il faudra pas oublier les quelle heure il est. 16h. Là, je bosse ensuite. Oh putain, ça y est. On a Précieuse en mode pet me, pet me, pet me, pet me. Au revoir Précieuse, qu'est-ce que tu... Décédé car on l'avait oublié dans le jacuzzi devant nos 8 ans. Tu l'as un peu cherché aussi. Bon, discussion intellectuelle. Bah voilà. Si on vérifie, normalement, en surbrillance, il y a la logique. Je suis niveau 2 et... Oh, putain, j'en suis à 10%. Ok. Bon, le chien, on n'a rien à foutre. Hein. Soyons d'accord là-dessus. On va plutôt écrire des rapports.
Plus de choix web, remplir des rapports, c'est nos devoirs en gros. Hein. C'est... Tout bêtement. Putain, me dis pas que le chat plantait. Oh, le fail! D'accord. Hello Windows, enfin. Et salut salut à vous qui regardez le replay, du coup. Je lance en différé maintenant le stream et l'enregistrement pour le replay. Ça me paraît être plus logique. Plus de choix, web, remplir des rapports. Parce que arriver à un moment, ça suffit. Voilà. Est-ce que... Oula. Qu'est-ce que je fous? Merde, fausse manip. On reprend. Web, nerf, remplir des rapports. Hop. Ah, voilà, c'est ça que je voulais faire. Ah, il y a une gamelle vide. Merde. Donc, j'espère que vous allez bien, vous deux. Malgré ces petits problèmes techniques. Oh, précieuse a la peur du... Elle veut aller pisser, mais va pisser. Oh putain. Pet me, 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 pet me. Ah, j'arrive! Ça va, ça va. Un peu sur les nerfs, du coup, j'aime pas ce genre de bug. En plus, j'ai mis cher dans ce jeu, finalement. J'ai toutes les extensions et j'ai acheté quelques packs d'objets aussi. C'est tant que j'y suis. Remplir toutes les gamelles, bam. Savinet a gagné 600 simflous pendant son jour férié. Écoute. Parfait! Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, tiens, je te caresse. Oui, non, par contre, après l'avoir caressé, tu vas me faire le plaisir de bosser un peu? Oh, je suis cruel avec mon sim. J'adore. Oh, ça va, je leur ai donné à bouffer. Comme dirait Mother, ils veulent pas s'emballer à Mars aussi. On a Rosie qui est juste ici aussi. Oh, qu'est-ce qui va pas? Ah oui. Alors par contre, c'est vrai que Oliver, sa passion, c'est l'ordi. Tandis que Précieuse, elle l'aime pas. Elle en a peur. Salut Brichoco, comment tu vas? Et j'espère que vous êtes heureux de retrouver Savina. Et ses animaux. Par contre, voilà, Rosie, alors, n'a rien à foutre de l'ordi. Alors là, c'est juste histoire d'eux. Il faut bien que je le fasse, mon rapport. Oh putain. Rosie, qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Bon, Rosie, précieuse, pardon. Bienvenue sur le live, en tout cas, Brechoco. Je crois que c'est ça que j'avais pas trouvé que je voulais dire. Bon, t'en es où de ton rapport? 50% effectué. Et ensuite, il faudra monter sa logique. Mais pour monter sa logique, à part acheter un jeu d'échecs spécialement pour augmenter sa logique, ce qui est chiant. Ta-ta-ta-ta, tu fais quoi là? Oh, demander une chanson. Vas-y. Vas-y. Éblouis-nous.
Éblouis-nous, précieuse. Caresse précieuse. Pet me. C'est la fête de l'hiver aujourd'hui. Merde, j'ai pas pensé à regarder en quoi ça consistait, la fête de l'hiver. Esprit des fêtes. Partage la joie des fêtes avec vos amis. Participez à utiliser l'interaction sociale des fêtes comme illuminer le sapin des fêtes. Demander as-tu été sage ou rire en faisant ho ho ho. J'ai comme l'impression que. Attends, la fête de l'hiver. Il est déjà 18h30, j'aurais jamais le temps de faire tout ça. C'est mort. Bon, bah tant pis. On va passer un mauvais jour férié, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Caresse précieuse. Bon, on l'a assez caressée, précieuse, là, non? Attends, quoi? Chanter ensemble! Chanter ensemble avec qui? Ah, d'accord, en fait, on appelle des gens pour leur dire « Hé, viens chez moi, on va chanter !» Est-ce que c'est pas la meilleure invitation du monde? Allez, t'as bientôt... Oh, c'est mignon! On a fait quoi? On l'a éliminé? On a bientôt fini nos rapports. Coucou, mother, comment ça va? Wesh, c'était quoi ce spam d'action du chien? Je sais, mais pour moi, c'est vraiment le pet me, caresse-moi. C'est pour ça que je fais toujours pet me. Mais ouais, je crois que c'est ça. Marcus Flex, c'est Marcus. Tu veux qu'on se voit ce soir? Non. Voilà, bienvenue sur le stream, mother, du coup. J'espère que vous allez bien tous. Même si ça fait 5 fois que je vous pose la question, je sais, mais... Mais voilà. Comme je... C'est vrai que sur le truc que j'avais fait sur Discord, sur le sondage, il n'y avait pas des masses qui étaient très emballées par le retour des Sims. Mais moi, c'est un truc qui me plaît quand même. Et le premier live des Sims avait super bien marché. Bon, les deux autres ensuite, non, mais... Je suis concentré. Ah, j'ai fini. Hein? Merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. Là, je voulais faire ça. Vas-y, je vais pas aller au lit à 7h30 le soir, quoi. Marcus, casse-toi, c'est ça. Marcus Flex. Qui est un personnage que je vois tout le temps d'ailleurs dans le. Ouf. Il dort ou il est mort là? Heureusement qu'il y a des aides au-dessus de sa tête, parce que sinon je me poserais des questions quoi. Est-ce qu'ils sont pas mignons tous les deux? Et Rosie, elle est où? Rosie! Ah ben elle est dans sa litière. Très pratique cette litière qui détruit automatiquement les merdes d'animaux. Oui, par contre, moi, avec tout ça, j'ai pas encore... Y a pas un jeu qui permet d'augmenter la logique, genre Big Block. Ça me fait augmenter quoi, là? Oh, putain, précieuse! Ça me fait augmenter quoi? Oui? Brun souhaite passer du temps ici, êtes-vous d'accord? Bah oui. Lui, oui. Savina, de jeu trop d'action en attente, veuillez réessayer plus tard. Mais c'est... Ah si, c'est la compétence jeu vidéo qui augmente. Pas la compétence logique. Je crois qu'il va vraiment falloir que j'investisse dans un... Ah, ça me fait chier. Tiens, voilà. Le fait d'avoir un chien intelligent, on peut avoir des discussions intellectuelles avec son chien. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Bon, excuse-moi, bienvenue, mais par contre, je vais d'abord parler à mon chien, si ça te dérange pas.
Précieuse est une chienne intelligente, elle est facile à dresser et apprend rapidement des choses. L'esprit d'Élodie est en train de disparaître. Désolé. C'était magnifique. Bonjour! Demandez comment s'est passée la journée. Pas faire du rentre-dedans tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Le père hiver. Le père hiver. Présentation chaleureuse, on va faire. Et par contre, Brent, tu vas attendre. Hein. Mon esprit disparaît. Mais oui, désolé, mais il y a un jeu vidéo qui te fait augmenter la logique, il me semble. J'aurais bien dit acheter un télescope, mais j'avais oublié à quel point ils sont énormes dans ce jeu. Hein. Alors, à la limite, le télescope, je vais mettre dehors. Bonjour, Père Hiver. Oh. Il faut faire quoi avec lui, au juste? Près des cheminées, j'ai pas de cheminée. Demandez-lui un cadeau. Ben oui. Il n'y a aucun jeu vidéo. Mais il y a quoi qui fait augmenter la logique alors dans ce jeu? Mis à part les échecs et les discussions intellectuelles, parce que manifestement, c'est pas très efficace, quoi. Tu m'offres quoi? Rire en faisant ho ho ho. C'est bien, en plus c'est raccord, on va bientôt arriver à Noël. Regarde, je me fous de ta gueule. Pardon. Offrir un cadeau de fête. Oh, je peux lui offrir un cadeau, moi. Est-ce que c'est pas la classe d'offrir des cadeaux à Père Noël? Sérieusement. J'ai quoi sur moi? Une carotte. Une pomme. Un oignon. Ah, parfait. Une poire, un citron. Oh. Petit tirage. Photographie de Savina Vallée. Une rose. Je peux lui offrir une rose. Bon, elle doit être complètement fanée depuis le temps, mais. Il aime pas? Il aime pas! La tradition c'est fait. Brent, il a pas l'air de kiffer le Père Noël. Hein. Allez, complimenter la tenue. Ah oui, carrément, le Père Noël en fait s'invite chez moi, quoi. C'était de la conversation. T'as vu, Père Noël, comment on est heureux. Va continuer ta tournée, s'il te plaît. Monsieur qui aime pas les roses, quoi. Bon, je sens que je vais devoir investir dans un. Ah, et du coup, je l'ai fini la fête de l'hiver. Le petit squatter, mais oui, mais de toute façon, les Sims squattent tellement facilement. Je suis concentré encore pendant 2 heures. Voyons voir. C'est moi où j'ai mon ordi qui peine un peu.
Ah, c'est ici, les compétences, loisirs et compétences. On va pas en prendre trop cher et je n'ai que 1000 simflouzes. Attends, et ça se dit cadre sup quoi. Attends, je vais choisir la couleur quand même. Ça m'a pas l'air mal. Alors, par contre, maintenant, c'est le défi, c'est de savoir où est-ce que je le mets, quoi. Dans ton cul. Est-ce que je le mettrais pas par là, en plein milieu? Ou derrière la télé, carrément? Comment on fait pour pivoter déjà? Comme ça. Par contre, il me faudrait une chaise. Oh, plutôt une chaise de table, une chaise de table à manger, bien sûr. Une chaise, ouais, une chaise là. C'est lesquelles que j'ai sinon là? C'est quoi ça, ces chaises-là? Elle ressemble un peu à celle-là, mais c'est pas celle-là. Bon, je sais pas. Des news de pseudo-random de hier? Non. Non, 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 non. J'ai demandé plusieurs fois. Allez, je vais prendre ça. Attends, elle coûte combien cette chaise? Oh, ça va. J'ai demandé plusieurs fois si jamais il voulait dire qui il était quand même, parce que c'est dommage de passer à côté de ses tickets. Mais bon, bah, écoute. Pseudo-random ne doit pas avoir envie de participer au tirage au sort qui permet de remporter ce magnifique puzzle 550 pièces de The Legend of Zelda, illustrant la carte d'Hyrule présente dans Hyrule Historia. J'ai toujours pas vérifié si c'est vrai ce que je dis d'ailleurs. Si jamais le truc est vraiment dans Hyrule Historia. Hop là. Et du coup, bah, merci Moubot, vous avez les façons. Enfin, qui. Tu l'as déjà. Ah, tu l'as déjà. D'accord. T'en veux pas un deuxième? Comme ça, tu peux avoir deux cartes. Putain, mais je sais pas ce qui se passe au-dessus ou en dessous, mais n'importe où. Il y a des enfants qui gueulent, il y a des gens qui tapent sur les murs, c'est tout va bien. D'un côté, avoir deux fois le même puzzle, tu peux en encadrer un et en garder un à côté pour le refaire de temps en temps. Le mec qui essaie de vendre son truc, quoi. Allez, vivez. Non, il est tôt! Putain! Au moins, fais un jeu. Hein? Il n'y a pas assez de. Ah, il n'y a pas assez de chaises. Ah! Oh putain, il va falloir que je. J'ai comme une petite peur. Ah putain, mais par contre, je commence vraiment à être à plat, moi. Ah, la vessie, la faim, putain, tout va bien, quoi. Là, il y a comme qui dirait plein d'espace, donc. On va revenir en mode construction. Je vais les mettre par là, en attendant. Attends.
On va les mettre là contre le mur. Hein? Non, mais tout va bien. Je voulais pas faire ça. À l'aide. Supprimer l'étage, non? Mais laissez-moi tranquille. Voilà. Oh là là, ce mur n'a pas l'air assez grand en fait. J'espérais faire un truc comme ça. À l'aide, comme une lampe, oui, c'est ça. La panique d'un homme. Alors, revenons. Ici, je vais en acheter une deuxième, du coup. Même couleur, par contre. Ah non, c'était bien comme ça. Voilà. Non ? Voilà. Ils ont quand même l'air vachement éloignés quand même pour jouer aux échecs, non? Ah, voilà. C'est bien comme ça. Maintenant, il faut juste que j'arrive à replacer les gamelles. Et je pense que je vais les replacer genre par là-bas. On va les espacer un peu. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas bien là? J'irai même jusqu'à rajouter une petite lampe par là, non? Je vais faire déco, ça y est. C'est quoi ça? Décoration murale. Ah, voilà. Les éclairages. Un éclairage mural plutôt. Mural. Éclairage mural. Mural. Putain, j'ai que des lampes de bureau et des plafonniers, quoi. Ah, non. Ouais, mais ça, c'est... Éclairage mural pour enfants, merci. Éclairage mural carré en métal brassé. Oh, ça pourrait être joli. Ne peut pas croiser d'autres objets, mais je m'en fous de tes autres objets. Il n'y a pas d'autres objets. Ah, si, il y a la bibliothèque. Bah écoute, on va te mettre là pour l'instant. C'est une blague. Oui, c'est bon maintenant. Ah. C'est mieux comme ça. Par contre, la bibliothèque, du coup, on va la bouger. Et là, cette applique-là, on va la mettre là. Conclusion. Ça, on va pouvoir le mettre un peu plus par ici. Ah, déco, un Kalten pour tout changer, c'est ça. Kalten sélectionne une pièce à réaction, on va vous surprendre. 99% impossible. Voilà. Mais je suis pas un pro des Sims, moi. Allez, s'asseoir. Oui, enfin, jouer avant. Est-ce que je joue avec quelqu'un? Est-ce que je jouerais pas avec Brent, par exemple? Je suis sûr que Père Noël, il est nul aux échecs, de toute façon. Il demande à mes chiens s'ils ont été sages. On est d'accord qu'il m'a rien offert, d'ailleurs. Empreinte de plantes fossilisées. Oh putain, ça y est, j'ai... Hein? Cadeau non apprécié. Ah oui. Le Père Noël, il a pas aimé mon cadeau, connard. Bon, on va accélérer la partie d'échecs. Est-ce qu'ils ont assez à manger? Oui, ça va. Alors, qu'est-ce qu'il me veut, là? Discuter avec Clément.
Est-ce que vous saviez que le Père Noël, du coup, s'appelait Clément Givre? Tiens, plus français que le Père Noël, tu fais pas, en fait. Ah oui, alors par contre, je vais aller jusqu'à la fin de la concentration et ensuite j'arrête. Ah ben non, ça y est, on arrête là. Avant d'aller au lit, va vraiment falloir aller aux toilettes, par contre. Voilà. Ah, j'ai gagné! Pas de Père Noël, ce Père Hiver, là est toute la différence. Oh, ça va! D'ailleurs, je tiens à dire que si ce perso est la preuve que si jamais le Père Noël avait été bleu, ça aurait été bien plus classe. Je tiens à dire aussi que les chiens sont juste trop mignons dans ce jeu. Oh, oh. Un Père Noël en bleu et blanc comme ça, j'adore, mais oui, grave. Bon, par contre, va falloir s'attendre à crever la dalle à notre réveil. D'ailleurs, on va pouvoir avancer jusqu'au réveil quand même. Tu dors ici, Brent? Le jour férié était une réussite. Parfait. Juste avant que le jeu décide de me recracher à la gueule, je pense que je vais sauvegarder régulièrement pendant ce live. Sait-on jamais? Voilà. Ah, par contre, il y a comme qui dirait un problème avec le frigo. Il y a de la nourriture gâtée dedans. Alors, enlever la nourriture gâtée déjà, je sais même pas ce qu'il y a dans ce frigo. Ah, d'accord. J'ai rien à manger. Bah du coup j'ai pas le temps de cuisiner puisque je travaille dans 1 heure, même pas du coup. Y a pas un truc que j'en reprendrai un plat rapide? Manger un repas rapide, voilà. Approprié pour gyps, des gyps, bien sûr. De l'eau, ça c'est un super repas, n'empêche. On empêche. Parlant de chien, si un jour tu veux en réadopter, j'ai vu un chien Ninklou dans la galerie, il est super classe. Waouh, pas mal. À voir, à voir. On va manger de la compote de pommes. Ah merde, il va falloir que je remplisse toutes les gamelles aussi. Bon, je suis heureuse plus que je n'ai faim en fait. Hein. Enfin, je compte vraiment sur le fait qu'elle va d'elle-même aller manger à midi en fait, au travail. Hop là, on peut avancer un peu plus vite. C'est quand tu veux que tu manges, par contre. Oui, bon, mange! Putain, mais tu manges une bouchée toutes les 10 minutes. Comment est-ce que tu veux ensuite aller être au travail à l'heure? Faut faire un peu de sport, Sabine, ou pas? J'ai l'impression qu'elle est.
Bref. J'ai bien mangé. Putain, pourquoi je me fais chier à manger? Pourquoi est-ce que je me fais chier à manger de la... pourquoi est-ce que je me fais chier à me faire à manger? C'est ça que je veux dire. Je prends une compote de pommes, je suis... Ouh, rassas... Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis sale? Oh là. C'est écrit petit sur la télé du coup. En examinant les comptes, Savina se rend compte que certaines lignes ne concordent pas. Après une enquête plus approfondie, elle réalise que d'importants montants ont été détournés vers un compte secret. Savina ne s'est pas encore fait un nom dans l'entreprise, mais cela a l'air d'être le genre de choses qu'il faut signaler à la police. Alors. Alors, remettre à la police, Savina perdra son travail. Mon objectif, c'est d'aller jusqu'au bout de cette carrière. Donc, on va perdre les documents. J'aurais bien voulu ne pas les perdre, mais... Putain, mais comment, pourquoi je suis aussi sale? Je me suis pissé dessus ou quoi? Ouais, bah écoute. Oula, qu'est-ce qui se passe? Va prendre un bain. Et ensuite, tu feras tes devoirs. Voyons voir. Où est-ce qu'on en est au niveau de la compétence logique? 33% effectués. Sachant qu'il faut prendre... Faut s'occuper de nos besoins, faut s'occuper des animaux. Faut rédiger les rapports et faut s'entraîner à la logique. On a du taf ce soir. Et faut se trouver un Jules aussi, putain. Brent, reviens là. Putain, elle va encore bouffer. Bon, par contre, le bain, c'est très mignon, mais... Allez, remplissons des rapports. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Là, y en a un qui va pas bien. Oh, elle veut jouer. Toi, est-ce que tu as le qu'est-ce qui ne va pas? A priori, non. Recevoir de l'amour. Oh, elle va nous donner de l'amour. Kawaii les soyons. Je préfère Rosie. Oula. Recevoir de l'amour. Bon, vas-y, donnons des bisous spéciaux. Et toi, tu veux jouer à la balle, c'est ça? Allez, on va la caresser, hein, précieuse. Tu demandes de l'attention. Putain. Remarque-moi! Non mais. Comment Oliver se glisse? Alors. Oui, tu es mignon aussi. Et toi, tu vas aller faire tes besoins, mais il va falloir que tu apprennes toute seule.
Ah, j'ai froid. Apparemment, il y a une soirée chevalier au bar. Ça te dit d'y aller? Ouais. Non, mais si je veux réussir. Attends, c'est quand même chiant si jamais je veux essayer de faire le. Comment? Un jus de crotale. Oh, ça fait envie, comme bar. J'ai envie quand même de faire la réussite, jouer une famille de Sims pendant 100 générations. Faut déjà que j'arrive à la deuxième, on est d'accord? Bon. Discuter d'énigmes. Sans enthousiasme à propos des chiens. Ah, il est concentré, machin. Ah, c'est Dacia! Des fois, ça me fait rire d'essayer d'imaginer de quoi il parle. Ah, j'aime dormir. Ouais, mais moi j'aime dormir dans une commode. Oh putain, non, j'ai pas envie de savoir qu'est-ce qui se passe après. Parler de la température avec Brent. Brent vient de devenir un bon ami de Savina. Je me suis fait friendzone finalement. Et toi, que ma seule partie avec 10 générations avait presque duré 75 heures sans génération de façon légiste, ce serait presque impossible, je pense. Si, je pense que c'est possible, mais il faut raccourcir la durée de vie des Sims. C'est tout. Après aussi, tu as des gens qui passent leur vie sur les Sims. Moi, c'est pas mon cas, mais. La vie de Savina, de toute façon, elle va durer quoi? Environ. Je table sur 8 lives, peut-être, tu vois. Donc ça fait. Ah ouais, ça fait 800 lives quand même. Mais bon, comme je dis, là, je suis en durée de vie normale. Histoire quand même de pouvoir faire les. Les merde, les carrières. Voilà, c'est ce qui m'a adapté un enfant, le faire vieillir avec des gâteaux, le un enfant, et ainsi de suite. Faudrait que je regarde si ça marche toujours. Oui, c'est ça. C'est vrai que tu peux faire ça. On peut pas l'entraîner dans un coin, machin. Exprimer son admiration. Ça fait un peu rentre-dedans, mais bon. Candy Bear et l'autre, je sais pas qui c'est. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah d'accord, elle va commander au bar. Oui, alors, le but en fait, c'était de parler avec Brent, en fait. Concrètement, c'était ça. Qu'est-ce qui se passe avec le cake aux fruits, sérieusement? Ah, j'ai faim. Est-ce qu'on commanderait pas? Qu'est-ce que tu fais si elle marche et si elle marche sur la version PC? Eh ben tant mieux. Tu fais rien à manger? Commander à manger. Fish and chips. Oh putain, il est déjà 22 heures.
Ah, pardon, il est 23h. Je vais être fraîche au travail le lendemain. Oh mon Dieu. J'ai absolument pas avancé d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est mon fish and chips? C'était sérieuse quoi, tu me l'as posé là. Voilà, on s'assoit, on mange et on discute. Blague perso. La question c'est est-ce que je tente un truc du coup? D'après vous sur le chat, est-ce que je tente un truc avec oups, avec lui? Il est concentré. C'est bien le moment pour être concentré, mec, quoi. Oui, d'accord, mais. Qu'est-ce que tu fais? Alors, qui ne tente rien à rien, j'aime pas sa coupe. Bah ouais, mais ça a été le meilleur jusqu'ici. Après, je pourrais la lui changer si on emménage ensemble. Mais entre tous les mecs qu'on a vus jusqu'ici, je crois que c'était le mec le plus potable. Hein. J'ai l'impression en tout cas. Il se tire, mais il n'arrête pas de se tirer, donc... Est-ce qu'on peut une technique de drague, avouer son attirance, complimenter l'apparence, demander si la personne est célibataire, draguer, enlacer, offrir un cadeau romantique, poser une question risquée. On va commencer genre à complimenter l'apparence juste. C'est bien, j'ai bien fait de bouffer du poisson. Non, mais va pas me faire croire que vous entendez. Qu'est-ce que... Attends, j'ai besoin de boire. Je sens que tu vas me dire un truc pour lequel j'ai besoin de boire. Au revoir. Non. Non, pas encore. Pas encore. Avouez son attirance, vite! Discutez avec Brent et Eric. Ah oui, c'est... Ah, il a pas l'air. Ah, il a pas l'air. Rencontre embarrassante. Oups. Bon. Avant Eric Lewis ici. Et là, la coupe, Mother. Qu'est-ce que tu as à dire sur la coupe? C'est vrai qu'on dirait que ses cheveux sont posés sur sa tête, en fait. Bon. Je crois qu'il va être temps de rentrer. Il est 2h du matin et on travaille demain. Contre embarrassante. Où pourrais-je me cacher? Cette conversation était très embarrassante. Bon, elle est passée où, Savina? Oh mon Dieu. Cette scène tellement gênante.
Ah, l'inceste, oui, effectivement, Mrichoku. S'il y a trop de Sims, le jeu est supprimé et remplacé par des nouveaux, mais si des membres de ta famille jouaient, il ne le fait pas. Ouais, effectivement. Mais du coup, le truc de succès à 100%, ça va être compliqué. Par contre, impossible à faire de façon normale, est-ce que ça veut quand même dire que. Enfin, je sais pas, y a pas des trucs genre. Un sim. Ah, je sais pas. T'as pas l'option genre le sim, tu le dégages. Je veux dire manuellement, quoi, sans passer par le RP, ou alors t'as pas un truc genre. S'en aller en voyage très loin, très longtemps. Dommage qu'ils aient pas prévu ça, du coup. Écoutez. Vessi. Dodo. On va refaire une sauvegarde. Non, je suis encore trauma de mon plantage de tout à l'heure en fait. Tu peux diviser ta famille pour qu'un de tes Sims parte et que tu puisses ensuite le supprimer, mais si c'est comme les Sims 2, supprimer un Sims, pas la meilleure chose à faire. Pas la meilleure chose à faire. Ok. Bah, de toute façon, on n'y est pas encore. Je pense que je me renseignerai vraiment de comment font les gens pour faire ce truc-là. D'ailleurs, je travaille à quelle heure déjà? 9h, c'est ça? Putain, je vois tellement mal. Je crois que c'est. Ouais, c'est ça, c'est 9h. Par contre, Savina, va falloir que tu te réveilles. Voilà. Putain, elle est fraîche. Enfin, quasiment. Elle a envie d'aller emmerder les animaux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je bosse un peu sur les rapports le temps que. Non. J'aurai pas le temps. Je vais réfléchir à une stratégie aux échecs. Essayons de. D'augmenter un petit peu notre logique. Ah, tu veux ranger? D'accord, ben range. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À froid à cause de la température, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Surfer sur l'herbe? Non, tu vas bosser. C'est l'heure d'y aller. C'est terrible, à chaque fois qu'il y a un chien qui couine, ensuite il s'en va. Qu'est-ce que c'est? Et dehors sous une tempête de. Ah, c'est une tempête de neige aujourd'hui. Ah oui, non, d'accord, c'est le. L'homme de ménage. J'ai plus beaucoup de sous, moi, n'empêche. 864 Simplouz. Ah, les chiens sont contents. Coucou Yupsi, comment tu vas? Bienvenue sur le stream. Oula, j'ai vu une méthode qui pourrait fonctionner, qui serait de désactiver la vieillesse auto, d'avoir un sim principal qui s'occupe des factures et tout le reste, et à côté d'avoir des générations qui s'enchaînent avec la technique du gâteau et en tuant ensuite les sims qui ne te servent plus, en utilisant la bien vieille piscine ou le mode extrême violence pour le fun. D'accord. À voir, à réfléchir. Oh merde, Yupsi. Bah bon courage à toi, soigne-toi bien. Ah, attends.
Là, on sait bon, on est vendredi soir, on a tout notre temps. On a les horaires de bureau. Et en plus, je fais des performances excellentes. À mon avis, en un ou deux jours de boulot, j'ai une promotion. Alors, on va commencer avec. Putain, toutes les gamelles sont vides. Vous êtes des morphales, ma parole. Morphales. Un morphale des morphos. Au niveau des besoins, on en est où? Je vais pas tarder à avoir faim. Je vais pas tarder à avoir envie d'aller dormir aussi. Divertissement, va falloir aussi. Je vais faire le repas. Préparer une recette pour animaux. Non. Pas tout de suite. Je vais déjà leur avoir servi quelque chose. Non, je ferai pendant pour ce week-end, je pense. On va servir le dîner. Des spaghettis. Et après ça, je pense qu'on verra. J'aurais pas dû faire ça. J'en ai marre en fait d'avoir des notifications à tout va là. Attends, tu vas. Pourquoi tu vas dans la chambre manger? Ouais, alors par contre ça, il va falloir le mettre au frais, hein. On est d'accord. Monsieur, je sais toujours pas pourquoi ils ont fait ça, je sais pas. J'avais pas encore vu ça et ça m'a l'air super chiant en fait. Alors là, je suis désolé, mais. Je suis pas sûr de pouvoir. Pas sûr qu'il sera dans cette pause ensuite. Oh, mais je vais prendre en photo le mur. Les noms, laisse tomber. L'autre de la galerie, c'était très bien sans. Oui. Mais tout le monde n'a pas envie d'aller sur la galerie, quoi. Donc arrêtez de mettre des notifs. C'est ça que moi, généralement, j'y vais pas parce que j'aime bien. Pourquoi t'as mis ton assiette par terre? Pourquoi t'as mis ton assiette par terre? Arrière-goût désagréable. Oh, ça va. Jamais contente, cette fille. Tu me nettoies ça, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai que je suis tendu aussi. Attends, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Demander d'aller faire ses besoins. Ben oui, mais il va falloir que tu apprennes toute seule, hein, précieuse, à un moment. Bien. Et toi, ça allait ou pas? Demander d'aller. Mais je suis pas votre mère. Je suis pas une chienne. Encourager un mauvais comportement. Demande. Je parle français ou pas? Précieuse. Mais si, tu peux y aller. Oh putain. Je sens que je vais perdre patience au bout d'un moment. C'est quoi ce. Attends.
Bah, aller plus loin, c'est la chose, c'est parce qu'on est dans un petit couloir que. Ah, ou alors c'est parce qu'on est en pleine tempête de neige aussi. Ah, putain, ça y est, elle est en chaleur, elle. Oh. J'ai bien vu ce que j'ai cru voir. Putain, l'envie de chier nous unit, quoi, sérieusement. Ah, c'était nul. Allez, à ton tour. Si tu allais chier avec ta dulcinée, s'il te plaît. Mais fais pas chier, tu peux y aller. Qu'est-ce qui t'arrive? Supprimer le gâteau. Non, mais laisse-moi. Mes chiens sont en envie de chier, je peux pas tout faire. Putain, ils vont avoir une occlusion intestinale, ça va pas tarder. Ça va, il fait nuageux maintenant, vous allez pouvoir chier. Qu'est-ce que c'est? Réveillon du jour de l'an. Oh! Et Savina adore cette tradition. Alors, il faut faire quoi? Pour participer, effectuer l'une des nombreuses activités de fête. Buvez, dansez, jouez d'un instrument, racontez des blagues, draguez ou chantez. Ouais, draguer, ouais. Prendre des résolutions, ne ramenez pas. Hein, parti pour parler, cliquez sur votre signe et sélectionnez prendre une résolution et enfin décompte jusqu'à minuit pour regarder le décompte jusqu'à minuit à la télévision. Le décompte sera disponible sur toutes les télévisions après 23h, d'accord. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi j'ai mon chien qui brille en rouge? J'ai quand même bossé un peu. M'explique pourquoi j'ai un chien guirlande. Un chien guirlande lumineuse. Là, moi, pas à comprendre trop le quoi du truc. Commencer l'examen. Ah, putain, c'est ça, il est. C'est qui va passer son réveillon du nouvel an chez le vétérinaire? Oh, la loose! Qu'est-ce qui se passe alors? Ah, putain. Oliver est malade et devrait probablement voir un vétérinaire. Voilà. Emmener à la clinique vétérinaire. Allez, c'est parti. Oui, tu peux arrêter de bosser. Ton chien, et en plus tu bosses même pas, tu sors sur le web. Sérieusement, quoi. Alors, le vétru, il est où? Il est pas là. Oh putain, je me souviens plus où est-ce qu'il est. Benetton Bay, ça doit être par là. Ouais.
Bon. Ah, pourquoi? Ça met longtemps à charger maintenant. Sûrement parce que du coup j'ai déplacé le jeu qui est maintenant sur le D2 point qui est peut-être plus lent d'accès. Ah, il fait froid! Blasé. Je ne suis pas à une réunion de groupe. Oh, ça va. Allez. Non, on essaie de faire ça assez rapidement quand même. Qu'est-ce que tu fais? Tu retournes la neige. D'accord. C'est bon, du coup? Vas-y, tant que je suis là et qu'il y a des gens. Ah, je peux pas. Je peux pas lui parler à elle. D'accord. À elle, je peux peut-être. Présentation chaleureuse. Oui, et par contre, faire des anges dans la neige, ça m'intéresse pas des masses. Là, ce que j'ai envie de faire, c'est. J'ai envie d'en profiter en fait pour faire les actions de. Faire des actions de. Du jour férié en fait. Est-ce qu'on a déjà blagué ou. Allez, faire connaissance et puis ensuite on va blaguer quand même. Drôle. Raconter une histoire drôle, voilà. C'est dans le nom. Wow! Evie est maladroite! Oh, je suis sale, ça y est. Putain, pire samedi ever, quoi. Ah, faire examiner l'animal. Ah, d'accord, j'ai fait OK, allez-y. Alors, traitement basique ou traitement coûteux? Allez, on va essayer quand même de. On met le prix. C'est bon? C'est bon. Que je fais, j'y suis quoi là? D'accord. Tu veux aller faire tes besoins encore? Putain. Allez, vas-y. Ah. On peut rentrer? C'est bon? Attends, j'ai laissé mon chien chier devant la clinique vétérinaire. Voilà. Et je n'ai pas ramassé. Bon. Sur ce, on va prendre un bain. Rosie est en chaleur. Non, ça c'est moi, Oliver. Eh oui, on va se promener plus tard. Ouf!
qui joue aux Sims du coup sur le chat. À part Abray Choco, du coup, si j'ai bien compris. Bonjour. Oula. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On va l'inviter à rentrer. Mais qu'est-ce que tu... Et il m'a renvoyé chier salement tout à l'heure. Et c'est... Enfin, c'est quand c'était jeudi soir. Là, on est samedi, c'est... Ouais. Un jour après. Alors, qu'est-ce que tu voulais? Allez, chantons ensemble. Ah, Oliver est fan de la porte, génial! Oh, comme tu chantes bien, hein, Brent. Faire tourner la crécelle pour le jour férié. Ouh, on se marre! Qu'est-ce qui se passe? Ah, faut que j'aille chier, excuse-moi. Tout va bien dans la vie de Sabina Vallée. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, je me dis ça va devenir Super 4, qu'est-ce qui se passe? Rosie a vieilli, c'est une chatte âgée. Vous remarquez qu'elle dort plus souvent, etc. Et voilà, elle est arrivée dans sa dernière phase. Ah, tu mets notre poste pas encore, toi, par contre. J'ai deux vieux animaux, maintenant. Mais il va falloir que je me mette en couple avant de... exprimer son admiration. Faire une imitation... flatter. On peut retenter. Ah non, je croyais que les gamelles étaient vides. Est-ce qu'on commanderait pas à manger? Ajouter une story sur Instagram. Sur le fait que j'ai faim. Se déplacer, hein. Foyer. Divertissement. Acheter des cadeaux, acheter un magasin, acheter un restaurant. Acheter un restaurant, c'est peut-être un peu exagéré si jamais j'ai juste faim, non? Y a pas genre commander une pizza ou un truc comme ça. Y a pas un truc pour ou alors je sers le brunch. On va faire voilà, des pancakes. On va faire simple. Bonhomme Plurum Canada. Oui. Dépêche-toi. Ah. C'est bon, j'ai réussi le réveillon. Merci, tu peux partir, Brent.
Hop. Oui, on crève un peu la dalle. T'as vu Brent? J'ai fait des progrès, non? J'ai fait des progrès en cuisine. On se souvient quand même la première fois que j'avais invité Brent à manger. Pareil, j'ai cuisiné. Et ben, j'ai mis le feu à la cuisine. Voilà. On en est là. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? T'as pas fini tes pancakes, Savina? Ah ben ça va mieux. Qu'est-ce qui se passe? Il s'en passe des choses dans la tête de ces chiens. Oui, d'accord, je veux juste manger, mais laissez-moi bouffer tranquille. Après, ça fait un bail que je les ai pas promenés non plus. Ça n'empêche, pour passer le réveillon avec moi, il vient à 8 heures le matin, 9 heures le matin.